power pop 77, on va dire. Au début, c'était quatre blaireaux qui faisaient un truc un peu à l'anglaise ou à la, on dirait à Sex Pistols, Dead Boys, on va dire. Et puis avec des influences des années 90, on va dire, les Stitches, les Tiki Killers, ce genre de choses. Et puis, au bout d'un moment, on a vieilli. Et on a fait de la musique de fiotte. On s'est mis à trois pour pouvoir chanter au coin du feu. Et puis, on a fait des trucs plus pop, quoi, comme les inspirés plus des Boys, des Nerves, des choses comme ça, quoi, des Moscows. Alors, d'un point de vue général, c'est quand même une ville qui se... bouge bien le cul, il y a plein de choses, il y a très souvent des concerts, et quand on est un petit peu ouvert, il y a toujours de quoi faire. Donc après, voilà, il y a certaines scènes qui sont plus privilégiées que d'autres, normal, hein, on peut pas tout avoir. Mais bon, ça se bouge le cul au niveau anarcho-punk, crust, c'est mortel. Il y en a même pour les Washington Poet Emo, il y en a pour les intello garage bizarroïdes. Il y a du punk 77 et du garage aussi, donc il y en a pour tout le monde. C'est une rare ville en France où il y en a pour tout le monde, donc c'est bien. D'un point de vue groupe, enfin d'un point de vue des King Cuts, c'est pas là qu'on a notre plus grand public. Mais on est bons joueurs et on aurait pu tomber pire. Mais on va trouver mieux. Il y a un Américain qui veut pisser. So, don't turn your back.